Hey yo les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Mobius Final Fantasy. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui je me suis dit, tiens, pourquoi pas sortir une vidéo directement sur le jeu. J'avais déjà fait un live, mais je sais pas si ça vous a plu vous, mais en tout cas moi bah, ça c'était pas très. Voilà, c'était pas très dégueulasse. Donc c'était assez sympa. Donc j'ai kiffé. Voilà. Ah, a priori, Ah non, ça c'est moi. Ok, très bien. Donc, bah, écoutez les amis, on va directement continuer parce que sur le live, en fait, bah, je suis en train de faire un live du coup, je vous invite à regarder où je mettrai un petit lien à la fin de cette vidéo et vous pouvez voir ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, aujourd'hui, donc on va directement continuer hein, notre petite aventure. Voilà. Vous allez me demander, oui, mais ouais, c'est bizarre, peut-être changer de jeu comme ça sur le lendemain. Non, j'ai pas changé de jeu, de vrai sûr, je joue toujours les autres jeux, mais j'aime bien, voilà, découvrir d'autres horizons. Et ce jeu, voilà, je suis tombé amoureux de ce jeu, il a l'air sympa. Donc voilà. Bah, en tout cas, les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver, hein. Ah, oui, je sais, hein, moi aussi, je vous ai manqué, les petits cochons. Donc voilà, élément, ok, donc ça veut dire que c'est bon. Donc, allez, retirer. Toi aussi, tu te casses. Et on va rajouter. On va prendre. Alors, notre plus fort, il est où? C'est un dragon, c'est un espèce de dragon. Ah, il est là, voilà. Je l'aime bien, lui. Il est fort, il est badass, il est bien. Ok, bah toi, c'est bon. Hop, on va mettre lui. Lui aussi, c'est bon. Du coup, bon, on va te retirer, mon pote. Alors, on va mettre qui? Le dragon, c'est fait. Du coup, bah, écoutez, on va mettre celui-là. Voilà. Voilà. Petit canaillou, va. Hop. Donc, on va directement continuer sur cette nouvelle map. Je vous rassure, cette map, je ne connais pas du tout, en fait. Je viens d'arriver et la dernière fois que bah, je me suis arrêté quand j'étais en live. Donc, voilà. On va continuer directement avec cette vidéo. Et c'est parti, les amis. Il est assez sympa ce petit Final Fantasy. J'aime bien. Mais j'aime bien passer en mode auto, comme ça au moins, j'ai rien à faire. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bah écoutez, je vous invite à mettre un lien. En bas, même pas un lien, parce que en fait le jeu vous le trouverez vous allez le trouver directement via Steam. Attendez juste 2 secondes, je vais juste baisser le son. Ah. Le son du jeu, c'est m'a l'air un peu fort. Alors, hop. Non, je peux pas. Je dois attendre que le. Oh, mais c'est pas grave. Donc voilà. Mais en tout cas, le jeu, franchement, c'est vraiment un bon jeu, j'aime bien. Il est pas assez dégueulasse à jouer. Après, voilà, c'est très simple, hein. C'est comme les jeux mobiles à tour par tour, donc c'est pas mal. Et en tout cas, j'espère juste que cette vidéo va vous plaire, ou voilà, en changeant un peu de jeu, en jouant différents jeux, ça va vous plaire. Et comme vous l'avez remarqué, je pense que vous avez dû le voir, j'ai changé de pseudo, maintenant c'est Axel fait les vidéos. Oui, ça m'a l'air un peu. Enfin, c'est mieux par rapport à avant, parce qu'avant je mettais Xplif, nanana. Enfin, j'aime pas trop, parce que vu que ma chaîne elle est faite pour des jeux, bah en fait ça sert à rien que je mette le pseudo et garder ce nom quoi. Enfin, garder le pseudo et. Non, ça avance pas parce que le pseudo de Heathcliff, en fait, il est tellement utilisé que voilà, moi, ça me donne pas envie de continuer à faire des vidéos avec le pseudo Heathcliff. Donc voilà, j'ai mis Axel fait des vidéos, comme la plupart d'entre vous, je suppose, vous le savez ou vous le saviez pas. Mais maintenant, aujourd'hui, vous le savez. Je me nomme Axel. C'est mon prénom ou mon surnom, si vous voulez. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, si c'est pas déjà fait. Attends un peu, je crois que je connais cet endroit, j'en suis sûr, même sûr. On n'avait pas trop. Ouais. Un peu sympa.
Bon, on va passer l'histoire, les amis. L'histoire est, voilà, c'est un peu sympa. Apparemment, ça parle d'un truc machin qui a envahi le monde, etc. Donc, notre but, c'est de sauver l'humanité. Voilà. C'était un petit truc vipé comme ça expliqué. Hein. Voilà, hop. Donc, le jeu, c'est un jeu de RPG. Hein. C'est pas un MMORPG. J'aurais bien voulu que ce soit un MMORPG, mais c'est pas possible, les amis, parce que le jeu est conçu comme ça. Et en plus, c'est un Final Fantasy. Donc, voilà. Et dans quelques mois, les amis, la chaîne va changer de nom. Bah, elle portera malheureusement plus le Axel Pellevio, mais elle portera le nom de Axel. Je verrai. Je sais pas du tout. Mais on verra bien. Oh là là, qu'il est badass là. Ah, bon. On a le boss. Il est pas... J'espère qu'il est pas trop fort parce que ça pique un peu quand même. Hein. Mais j'aime bien les combos, etc. C'est sympa. Et le système de heal aussi, il est vraiment énorme. Ça fait mal, ça par contre. Oh, un bon petit combo là. Voilà, très bien, ça c'est fait. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Décale d'accès ici. C'est... Bon, écoute, tu sais quoi? On va. Ah, interdit. On peut pas. On peut pas y aller. On va aller de l'autre côté. Donc, je dois prendre qui? Je vais prendre qui? Bon, apparemment, on n'a pas de heal. On va prendre le magicien. Et bim, mon gars. Ça va faire mal ça. Je pense que le boss il va être assez hard. Ah, ça va, c'est un poule. Je pense qu'on peut. On peut s'en sortir. Ah, je pense. C'est pas une certitude. Ouais, ça va, on s'en sort pas mal. Putain, dans ta face, mon pote. Tu veux pas te soigner, mon pote? Allez, heal-toi! Bah, heal-toi, abruti! Oh, il est con! Oh! Allez, nous, on est un ouf! Allez, hop! Il soigne maintenant, lui! Yes!
Voilà. Très bien. Donc, hop, alors, on va directement attaquer le suivant. Hop, voie de je sais pas quoi. Allez, on va prendre directement le premier. J'aime bien parce que c'est un heal. Et le heal dans ce jeu est très très important. Allez, hop, commence à déchaîner là. Hop. Dans tes dents. Hop, dans tes dents. C'est bien ça. Nickel, chrome. Voilà. Très bien. J'aime bien la petite fée là, ça me fait penser à. Je sais pas si vous la voyez, elle est là. Là. Ah, elle a disparu là. Elle est sympa, j'aime bien. Apparemment, c'est une espèce de divinity qui vous suit au long de votre aventure. Elle est là. C'est bien. Mais ce que je trouve aussi dommage dans ce jeu, en fait, bah, en fait, on n'a pas. Bah, en fait, très bien. On n'a pas de familier, pour le moment j'en ai pas croisé en fait, les choses que vous débloquerez c'est que des combos ou des trucs spéciaux, etc. Enfin, des trucs spéciaux, désolé. Donc ici, je vais vous expliquer vite fait le jeu, ce que c'est, etc. Alors ici ça c'est la planète, Notre planète si tu veux, regarde, ici il y a l'Amérique, ici il y a la France, en bas il y a l'Afrique, je pense, enfin, je ne sais pas. Voilà, donc ici vous avez la planète, et ici vous avez tout ce qui est socialisation, profil, modification des vignettes, liste d'objets, etc. Les bonus de connexion, par contre je n'ai pas regardé ce que j'ai comme bonus de connexion. Ça, j'ai eu ça. Mais c'est moche hein, par contre, hein. C'est moche. Ok, très bien. On a le suivi des joueurs, donc je suis un joueur suivi des 17, très bien, suiveur, ok, donc ça c'est ce que les gens me suivent, ok, personne ne me suit, personne m'aime, très bien, ça, si vous voulez acheter des choses, ou sinon invoquer des news combo, hein, vous cliquez ici, hop, invoquer machin, Nani vous demande un ticket, hop, moi j'en ai deux, donc hop, je peux le lancer directement, faire ça, hop, ça c'est fait. Très bien. Et après ici, bah, vous cliquez, vous allez voir. En fait, les petits trucs là, ça vous permet de XP énormément. En fait, de XP énormément vos petits combos et vous allez faire super mal. Et vous allez dans boutique et vous allez le trouver. Donc vous avez aussi des bois d'esprit. C'est quoi ça? Ah, c'est les petits trucs là. Oh. C'est bien ça. C'est quoi ça? Ah, c'est celui qui me suit là? Ok, moi je vais prendre celui-là. Acheter. On peut acheter? C'est vrai? On peut acheter avec des tickets. Je sais pas si j'en ai par contre. Ah, bah ben non, mais j'ai pas. Moi j'ai pas, les gars. Dommage, hein. On est assez pauvres. Très bien. Ok, après on va la voir. Donc ici, tout ce qui est configuration. Hein, si vous voulez monter à fond, moi voilà quoi, la difficulté ça reste comme ça, et ici c'est tout ce qui est effet, ici c'est la musique, vous pouvez jouer avec la musique, hein, voilà, comme ça, on va la mettre sur 20, et tout ce qui est effet aussi sur 20, parce qu'elle était sur 30, c'est assez embarrassant, ok, donc les voix, ben, ils sont en japonais les amis, et ici c'est pour ignorer les animations, mais l'animation c'est mon, voilà, ça peut être en plus. Ne pas recharger les modèles de personnages lorsque la modification des decks. Oh, on s'en fout. Ok, ici c'est tout ce qui est deck. Alors, les decks, c'est vos cartes, c'est les monstres que vous allez défoncer. Et quand vous allez les défoncer, en fait, vous allez débloquer des decks. Et ces decks-là, en fait, ben, c'est vos combos. C'est un peu plus simple. Voilà. Et après, vous pouvez les modifier, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Hein. Voilà, quoi. Vous êtes libre de vos choix. Vous avez plusieurs classes pour classer vos trucs. Et vous avez aussi le mode de compétences. En gros, ben, vous choisissez les compétences que vous voulez. Genre, par exemple, moi, j'ai pris celui-là. Le Kaimach de feu, je crois. Voilà, j'en sais rien. Et là, c'est sympa.
je sais pas ce qui m'apporte de plus, mais bon, j'en sais rien, je m'en fous. C'est marqué, hein, mais voilà, quoi, j'ai pas le temps de lire. Et j'ai pris aussi ce dragon qui m'a l'air vraiment sympa, l'oiseau monstrueux, corrompu par chaos, créé des éléments de l'air. Hein. Donc il a l'air sympa, tu vois, il me donne pas mal d'attaques et une chance de crit, donc c'est énorme. Et voilà. C'est quoi ça? Le ticket à une compétence nécessaire. Ok, très bien. Donc voilà. Et vous en avez plusieurs, etc. Donc voilà, c'est cool. Voilà. Je pense que lui, j'avais déjà fait. Hop, attendez, je vais regarder. Hop. Non, ça marche pas. Ok, très bien. Donc voilà. Ça, on a fait le tour. Donc voilà, ben les amis, ça c'était. Et normalement, vous avez aussi tout ce qui est réserve. C'est là où vous avez tous vos stocks. Hein, vos stocks de bébêtes et tout, là, qui est ici. Vous avez juste à les récupérer, à les fusionner avec vos machins. Aussi simple que ça. Ça, c'est le mien. Mais je crois que je l'utilise plus. Hop, voilà. Ici, il y a les éléments. Très bien. Alors, et ici on a tout ce qui est fusion. Alors, fusion, c'est très simple. Admettons, je vais fusionner, puis je vais mettre lui. Hop, je vais mettre là, je mets choisir une carte. Et là, je vais descendre tout en bas. Voilà, ici comme ça. Là, hop, choisis. Admettons, choisis tout ça. Ah, j'ai pas assez. Attendez, hop, j'enlève celui-là. J'ai pas assez. J'enlève celui-là. J'ai assez. Hop, je fais ça, fusionner. Très bien. Et bah en fait ça va augmenter juste le niveau de ce machin là. Hop, il est passé de niveau 13, 14, en bas 15, en bas 16, en bas 17. Et c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça les amis. C'est vraiment très très simple ce jeu. Et j'adore. C'est abusé. Alors, nanana. Ok, ça c'est fait. Donc on a quoi aussi? On a tout ce qui est amélioration auto. Ici, vous les laissez là et ils s'améliorent eux-mêmes. Et après, vous pouvez vendre des objets. Genre, par exemple, le truc que j'ai utilisé tout en bas ici, là, bah, en fait, ça se vend super cher. Et les personnages que vous avez montés aussi assez haut niveau, bah, vous pouvez les vendre assez cher aussi. Donc, c'est assez sympa. Et vous avez l'évolution. L'évolution, bah, vous avez juste à cliquer sur un machin et vous l'évoluez par rapport à son machin. Donc, là, je vais essayer. Hop, faire évoluer. Insuffisant matériaux. Bon, on n'a pas assez de matériaux, donc voilà. Donc c'est pas possible. Voilà, c'est tout simple, c'est tout aussi simple que ça. Franchement, c'est un jeu qui est vraiment très 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 simple. Ici, vous avez tous les monstres ou les personnages ou les lieux disponibles ou les cartes disponibles dans le jeu. Et ici, vous avez tout ce qui est classe. Malheureusement, j'ai que cela. Voilà, cela. Mais je sais pas pourquoi j'aime bien celui-là, mais je suis sûr que Rôdeur, ça serait pas mal aussi, enfin chasseur, mais non, j'aime pas. Voilà, je vais prendre celui-là. Celui-là, j'aime bien, plus c'est un temps que voilà, quoi. Ça me va très bien. Bon, bah voilà, les amis, je pense qu'on a fait un petit tour vite fait sur ce jeu. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos vous auraient plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça me fait toujours plaisir. Et bah, pour la suite, on se donne rendez-vous très très bientôt, hein, pour une autre vidéo sur ce jeu. Oui, et bah, pour le moment, il y aura moins de vidéos sur le jeu Twin Saga ou tout ce qui est Urakuno parce qu'il n'y a pas encore de contenu. Et franchement, c'est pas pour vous cacher la vérité, mais ça me vénère. En gros, ça m'énerve de jouer alors qu'il n'y a pas de contenu. Donc voilà. Sur ce, on se donne rendez-vous sur notre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, ciao les amis!